Bonjour à tous et à toutes, voici donc la partie que je vous avais montrée dans le poste. Un joli granit avec des jolis points texturés et je vous avais dit que ce serait un animal. Alors voilà, je vous présente ma petite tortue. Donc la, la carapace avec ce joli motif et puis son petit visage et ses pattes qui sont très sympas. Donc vous allez voir c'est un tutoriel qui est peut-être un peu plus complexe que les autres parce qu'il y a plus de techniques à connaître, non seulement voilà les brides euh, demi-brides et vous allez avoir aussi euh, des techniques surtout au niveau de la couture des pattes. Ça c'est peut-être le plus compliqué mais vraiment j'explique tout en détail, même pour la broderie des yeux et tout ça, j'explique tout en détail donc j'espère que vous arriverez à suivre. En tout cas, moi je la trouve très mignonne. Donc ça peut être une peluche, mais ça peut être aussi un porte-aiguille ou porte-épingle. Voilà, ça peut être un peu ce que vous souhaitez. Moi, c'est une peluche que je vais offrir pour Pâques. Voilà, elle sera cachée dans le jardin avec mes petits canetons. Donc il faut que j'en fasse une deuxième. Et j'ai décidé d'en faire une avec des couleurs un peu comme ça un peu orange, vert, marron. Donc, ça, ça va être ma deuxième version. Donc, j'ai déjà un peu commencé et il faut que je continue de le réaliser. Alors, pour le, les matériaux, j'ai utilisé de la Ricorumi. Donc, je vous montre l'étiquette. De la Ricorumi. J'ai utilisé la couleur, une couleur rose, rose un peu bonbon. Donc, ça, c'est ma couleur principale. Ensuite, une couleur rose pâle que j'ai utilisée aussi pour le ventre. J'ai utilisé un vert un peu citronné, un marron foncé et c'est tout. Donc au niveau des quantités, j'ai utilisé une pelote de chaque, sauf pour la couleur principale où j'ai eu besoin de deux pelotes. Et de ma deuxième pelote, il me reste à peu près ça. Donc ça consomme quand même pas mal, mais bon c'est la couleur dominante, donc c'est normal. Et ensuite j'ai utilisé des yeux de sécurité de 10 mm et une couleur un peu bah, crème et marron pour les yeux ou blanc et marron. Peu importe. Vous aurez aussi besoin de watts de rembourrage. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2 et demi. Vous aurez besoin également d'un anneau marqueur pour marquer le début du rang de ciseaux. Et qu'est ce que j'ai oublié? Et évidemment, j'ai utilisé beaucoup d'épingles pour placer chaque partie de mon corps avant de coudre. Donc ça, vous en aurez bien besoin. Euh, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc maintenant, on va pouvoir commencer le pas à pas. On va commencer par la carapace et ensuite, on fera la tête, les pattes et à la fin, la queue. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer en prenant notre première couleur. Donc là, c'est le rose pâle pour moi. Et je fais un cercle magique, je récupère le fil de derrière, je pivote mon crochet et je fais une maille en l'air pour fixer le tout. Et ensuite, je monte deux mailles en l'air supplémentaires. Ça m'en fait trois et ça remplace la première bride. Ensuite, dans ce cercle, eh bien, je vais faire 15 autres brides. 3, 4, en tout, je dois avoir 16 brides en comptant du coup les trois premières maille en l'air que j'avais fait. Quand j'ai fait toutes mes brides, je viens tirer pour resserrer bien le nœud qui est pas de trou au milieu. Donc n'hésitez pas à bien tirer. Là, je vais venir unir à la troisième maille en l'air de départ. Donc, il y a ma première, deuxième et la troisième qui est là. Mais je ne ramène pas ce fil-là, je viens récupérer mon deuxième fil. Donc là pour moi, c'est le rose foncé. Avec ce fil, je peux faire une boucle sur mon crochet. Donc, je fais ma boucle directement. Voilà. Et je passe ce fil à travers et à travers la deuxième boucle. Maintenant, je peux tirer un peu derrière pour réajuster tout ça. Et je vais commencer mon deuxième rang. Donc, je monte avec trois mailles en l'air. Ça remplace ma première bride. Je récupère mon fil, ici, le fil rose foncé, et je viens le cacher en même temps. Au même endroit, je vais faire deux autres brides, ce qui fait que j'aurai trois brides dans la même maille. Comme ceci. Ensuite, je fais une maille en l'air, un jeté, je saute la maille suivante qui est là, et je pique dans la maille d'après. Et je fais trois brides. Une, deux et trois. Avant de continuer, je vais juste couper le fil rose, parce que pour l'instant, on n'en a plus besoin. Et comme ça, ça ne m'embête pas. Tous ces fils-là, évidemment, il va falloir les cacher. Soit on arrive à les cacher au fur et à mesure, soit il faudra le faire à la fin. Donc ensuite je fais une maille en l'air, je saute la maille suivante qui est là et je vais dans la maille d'après où je fais à nouveau trois brides. 2 et 3. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, je fais à nouveau trois brides. Une maille en l'air je saute une maille dans la maille suivante trois brides et vous faites ça jusqu'à terminer votre tour là j'ai presque terminé donc je fais une maille en l'air je saute cette maille là et je pique dans la maille suivante je fais trois brides une maille en l'air et je... cette partie ce rang là et je dois avoir huit groupes de trois brides une deux trois quatre cinq six sept huit et donc là pour terminer je vais unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée, je fais une maille en l'air et je coupe un peu de fil. Je tire donc là directement à ce stade là, vous pouvez venir cacher tous ces fils. Je vous recommande de le faire au fur et à mesure parce qu'à la fin, c'est un peu fastidieux de le faire euh, tout, euh, tout à la fin. Donc, je vous montre juste ce que je vous recommande c'est de faire directement un nœud. Donc vous piquez sous une des mailles et vous faites un nœud. Comme ça, vous êtes sûr que votre fil ne va pas se défaire avec le temps. Et ensuite, vous passez sous quelques mailles. Pas besoin de le cacher énormément, étant donné que vous avez fait un nœud et que cette partie-là, de toute façon, sera à l'intérieur. Donc ça ne se verra pas. Et quand vous avez caché un peu, bah vous pouvez venir couper. Donc je vais faire la même chose avec les deux autres fils ensuite je vais ramener ma troisième couleur euh, et je fais une boucle sur mon crochet j'enlève la boucle et je viens me rattacher par exemple ici donc dans l'espace qui a été laissé par la maille en l'air je récupère la boucle et je la passe à travers et là je fais une deux trois mailles en l'air et au même endroit, je vais faire une deuxième bride. Les trois mailles en l'air comptant pour la première bride. Deux mailles en l'air. Et au même endroit, deux brides. Une et deux. Ensuite, je vais directement dans l'espace suivant. Je pique et je fais deux brides. Deux mailles en l'air. Et au même endroit. Deux brides. Je vais directement dans l'espace suivant. Là, je peux juste en profiter pour cacher mon fil. Et dans cet espace, je fais deux brides, deux mailles en l'air et deux brides. Donc vous allez recommencer ce procédé jusqu'à la fin. À chaque espace laissé par la maille en l'air, vous faites deux brides, deux mailles en l'air et deux brides à cet endroit. Comme ceci. Lorsque le rang est terminé, on vient unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. On a fait le rang numéro 3. Ensuite, le rang numéro 4, on va commencer en faisant une maille coulée dans la bride suivante. Donc là, j'avais fait une maille coulée sur cette bride. Je fais une maille coulée sur la bride suivante. Et une maille coulée dans l'espace des deux mailles en l'air du rang précédent. Ensuite, je monte avec trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Ça équivaut à ma première bride. Dans cet espace ici, je vais faire six autres brides. Donc en tout, j'en aurai sept. Donc trois, quatre, cinq, six et sept. Donc j'avais compté la première maille et la première bride de départ, enfin les trois mailles en l'air. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Ensuite, dans cet espace-là, juste après, juste entre les deux brides, les deux groupes de deux brides, là, j'ai un espace ici. Au deux, juste au-dessus de ces trois brides-là, j'ai un espace. Dans cet espace, je fais une maille serrée. Je passe à l'espace suivant, entre les deux brides, ici, là où il y avait mes deux mailles en l'air. Et dans cet endroit, je fais 7 brides. Et 7. Ensuite, je vais dans l'espace juste à côté, au-dessus de mes trois brides là, dans cet espace-là, je fais une maille serrée. Et je recommence. Dans l'espace laissé par les deux mailles en l'air, je fais mes 7 brides. Et dans l'espace au-dessus de, de mes trois brides ici, je fais une maille serrée. Et c'est reparti. Sept brides, une maille serrée, sept brides, une maille serrée, sept brides, une maille serrée, etc. Jusqu'à terminer tout le rang. Puis il me reste l'espace juste au-dessus des trois brides ici où je fais ma maille serrée. Et enfin, je vais unir à la troisième maille en l'air de départ. Donc une, deux, trois. Ici, je pique et j'unis avec une maille coulée. Je fais maintenant une maille en l'air et je coupe mon fil. Puis je tire. Les fils qui sont derrière, on vient déjà les cacher, faire un nœud. Au départ, comme je vous avais montré, on fait d'abord un nœud pour être bien sûr que ce soit sécurisé. Donc je fais un nœud sur l'arrière. Et ensuite, je cache bien mon fil sous la partie rose ici, comme ça. Hop, je le fais circuler un peu vers là, vers là, et puis ensuite, je pars de l'autre, je repars de l'autre côté, comme ceci. Maintenant, je vais prendre ma couleur marron foncé, qui elle vient vraiment bien contraster. Avec le reste des couleurs qui sont un peu plus douces. Avec cette couleur, je fais une boucle sur mon crochet. Hop. Je laisse la boucle sur le crochet. Et je vais venir me rattacher sur une des sept. Donc le plus possible euh, sur, euh, sur un des côtés. Mais pas sur une des mailles serrées. Hein. Vraiment sur une des brides. Donc par exemple, ici, je me mets sur une des brides de mon groupe de sept brides. Donc je pique, je laisse la boucle sur le crochet, je pique sur une de ces brides, je ramène mon fil et je passe à travers les deux boucles. Donc là j'ai une première maille serrée et ce fil là on va venir le cacher à la fin. Ensuite je fais une maille serrée sur chacune des sept brides. Donc je dois avoir sept mailles serrées, Donc là, ma septième maille serrée. Là j'arrive au niveau de la maille serrée du rang précédent. Donc ici, je vais venir piquer dans le trou ici, dans le trou en dessous, juste au-dessus de mes trois brides. Je pique, je ramène mon fil une première fois. Je fais un jeté, je pique ici, je ramène mon fil une deuxième fois. Je fais un autre jeté, je pique et je ramène mon fil une troisième fois. Un jeté et je passe à travers toutes ces boucles. Ensuite, je vais directement dans la première bride du groupe de brides suivant. Et je fais une maille serrée. Et je fais une maille serrée sur chacune de ces brides. Donc je dois toujours avoir 7 mailles serrées pour ce groupe-là. J'arrive à la maille serrée suivante ici. Donc là, je pique dans le trou. Je ramène mon fil une première fois. Je fais un jeté. Donc attention que ce ne soit pas trop lâche, sinon ça ne va pas être joli. Je pique à l'intérieur, je ramène mon fil une deuxième fois. Je fais un jeté, je pique et je ramène mon fil une troisième fois. Je mets bien tout à la même, au même niveau, un jeté et je passe à travers toutes ces boucles en même temps. Et là, je repars sur mes sept brides. Donc une, deux, trois. 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. J'arrive sur ma maille serrée ici, je pique et je ramène mon fil une première fois. Attention, ajustez bien que ce ne soit pas trop lâche. Sinon, ça va se déformer à force. Il ne faut pas que ce soit trop serré non plus, sinon c'est pas beau. Mais il faut que ce soit un peu ajusté avec. La maille serrée d'à côté. Un jeté, je pique et je ramène mon fil une deuxième fois. Un jeté, je pique et je ramène mon fil une troisième fois. Un jeté et je passe à travers toutes ces boucles. Et là c'est reparti, j'ai mes sept brides, j'ai mon fil d'ailleurs vert que je vais cacher en même temps. Donc là je pique. Alors là j'arrive là où j'avais fait mes trois mailles en l'air de départ pour ce groupe de sept brides. Donc il faut bien que je trouve. La maille qui correspond aux trois mailles en l'air, elle est là, et je ne l'oublie pas surtout. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et vous voyez, j'ai caché mon fil en même temps, et là je repars ici et je fais mes trois jetés. Donc une, deux, et trois, et je passe à travers toutes ces boucles, et vous continuez comme ça. En faisant exactement la même chose, donc là je remets un peu en place tout le tour, et on se retrouve. Je voulais juste vous montrer vers la fin. J'ai mon fil là de départ. Je vais venir le plaquer le long de mon ouvrage comme ça, et je le cache au fur et à mesure. Comme ça, j'aurai pas besoin de venir le cacher par la suite. Et comme ça, je fais mes mailles serrées et je cache mon fil en même temps. Là, j'ai fini et il me reste cette maille ici, cette maille serrée. Donc, je pique, je ramène mon fil, un jeté, je pique, je ramène mon fil, un jeté, je pique, je ramène mon fil. Et je passe à travers toutes les boucles. Et ensuite, je viens me raccrocher à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Donc, voilà ce que vous obtenez après tous ces rangs. Donc, maintenant, on va couper un peu de fil marron. On fait une maille en l'air et on tire. Les fils qui sont sur l'arrière et qu'on a cachés au fur et à mesure, on les coupe. Comme ça, c'est fait. Je reprends la couleur rose foncée pour moi. Avec cette couleur, je fais une boucle sur mon crochet, comme ceci, et je la laisse bien sur le crochet. Et donc là, je vais venir me rattacher à une pareille des premières mailles. Serré, là, ici, donc, par exemple, là, je me rattache sur une des premières mailles serrées et je fais ma maille serrée. Je vous remontre, pardon, j'ai été un peu vite. Je laisse ma boucle sur le crochet, je pique sous une des mailles serrées, je ramène et je fais passer le fil à travers les deux boucles. Et j'ai ma première maille serrée. Je travaille en maille serrée sur les mailles serrées du rang précédent, donc j'en ai toujours sept. Quand j'arrive au niveau de notre point pouf du rang précédent, là ici, à cet endroit, je vais faire trois demi-brides. Donc une première demi-bride, un jeté, une deuxième demi-bride, un jeté, une troisième demi-bride. Et ensuite, je repars en mailles serrées sur les sept mailles serrées du rang précédent. J'arrive ici au niveau de mon point pouf du rang précédent et à cet endroit je fais 3 demi-brides 1, 2 et 3. Et c'est reparti, toujours la même chose, 7 mailles serrées, 3 demi-brides, 7 mailles serrées, 3 demi-brides, etc. Jusqu'à terminer tout le tour. J'arrive à la fin de mon rang, j'ai fait mes 7 dernières mailles serrées et là ici j'arrive presque à la fin sur mon... Point pouf du rang précédent, je n'oublie pas de faire mes trois demi-brides à cet endroit. Là, vous devez avoir en tout 80 mailles tout autour. Et voilà ce que vous obtenez. Maintenant, on va travailler en maille serrées. Donc je vais piquer directement sous la première maille serrée ici et je fais ma maille serrée. Vous pouvez mettre un marqueur pour vous repérer. Voilà. Je cache toujours mon fil. Alors là, je l'ai perdu. Voilà. Je cache mes fils en même temps, comme ça, c'est bon. Et je travaille en mailles serrées tout autour. Donc, j'avais 80 mailles serrées. Je travaille donc ces 80 mailles serrées. Donc là, on ne fait plus que des mailles serrées, toute simple. J'ai fini ce deuxième rang de mailles serrées et on va en faire encore deux comme ça. Donc, deux rangs de mailles serrées supplémentaires. Donc, là, vous voyez, il bon, faut l'aplatir un peu, mais ça prend vraiment une forme circulaire et c'est ce qu'on recherche. Mais c'est un peu bombé ici et c'est aussi ce qu'on recherche. Voilà. Pour faire un peu comme la carapace de tortue. Donc, vous faites encore deux rangs de mailles serrées et on se retrouve. Alors, j'ai fini. Donc, j'ai fait les quatre rangs en tout. Un, deux, trois, quatre. Et maintenant, je vais unir par une maille coulée. Et pour que ce soit bien plat, je fais une autre maille coulée dans la maille suivante. Maintenant, je vais couper le fil. Donc je coupe un petit bout de fil et je ne fais pas de maille en l'air. Je tire directement mon fil et je le passe dans une aiguille. Puis je vais sauter. Donc là, j'ai ma maille qui arrive ici. On la voit là, ma maille coulée. Je saute la maille suivante et je pique sous les deux brins de la maille d'après. Je tire pour rapprocher ces deux parties. Je ramène le fil devant et je vais piquer au milieu de la dernière maille là, ici. Je pique et je ressors mon fil sur l'arrière. Et là, j'ai créé une fausse maille et comme ça, on ne voit pas de démarcation. Enfin, je retourne et sur l'arrière, je vais faire un nœud. Donc là, j'ai fait mon nœud et puis je viens cacher mon fil sous quelques mailles. C'est bon. Hop, voilà. Donc là, on a terminé le dessus. Maintenant, vous avez vu, il y a pas mal de trous. Donc là, si on rembourre à cet endroit, vous allez avoir plein de rembourrage qui va sortir. Donc pour éviter cela, on va faire en fait un cercle qui va venir se plaquer ici, juste sur cette partie-là. On va le plaquer là. Et ensuite, on fera du coup le dessous du corps. Mais on va faire juste un cercle pour le placer là. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est de prendre cette couleur contrastante. Parce que comme ça, ça va faire un, un fond sombre qui va bien faire ressortir les couleurs. Donc, on récupère le fil le plus sombre. Après, vous faites avec les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez même prendre du noir si vous voulez. Et avec ce fil, on fait un cercle magique. On le fixe avec une maille en l'air et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. On resserre le cercle. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations, donc une augmentation dans chacune des mailles. On marque la première des deux. Et dans, les, dans chacune des mailles, on fait donc une augmentation, c'est-à-dire deux mailles serrées dans chaque maille. J'ai obtenu 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation tout le tour. Donc vous le répétez tout le tour, une maille serrée, une augmentation en marquant la première. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Et on le répète tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3, et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Donc je vous montre juste ce, ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire donc cette partie-là qu'on va mettre à l'intérieur, qui ne se verra pas. C'est qui est juste en fait pour éviter qu'il y ait des trous. Donc on va la mettre comme ça ou de ce côté, on s'en fiche en fait. Hein. On va le mettre comme ça et jusqu'à ce que ça couvre toute cette partie-là, on va continuer d'augmenter de manière régulière. Donc là. Je vais continuer d'augmenter, je vais vous dire moi combien de rangs j'ai fait d'augmentation. Mais après peut-être que vous avez un truc plus petit que moi ou plus grand, donc il faudra adapter le nombre d'augmentations. Mais je vous montre ça. Le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. 1, 2 3 4 et une augmentation et on répète ça tout le tour et à la fin du rang, on aura 36 mailles serrées et une augmentation, le rang suivant donc le rang numéro 7. Je vais faire 5 mailles serrées et une augmentation. Le rang numéro 8, je vais faire 6 mailles serrées, et une augmentation. Le rang numéro 9, je vais faire 7 mailles serrées, et une augmentation. Le rang numéro 10, je vais faire 8 mailles serrées, et une augmentation. Et là, je vais bien voir si c'est suffisant pour cette partie-là de ma tortue. Donc continuer les augmentations et on se retrouve quand on a terminé. Là, voilà, moi je me suis arrêtée à 8 mailles serrées, et une augmentation. Et ça couvre cette partie-là. Et comme ça, sur l'arrière, en fait, on ne voit rien. Et ça évitera à la ouate de s'échapper par tous ces petits trous qu'on a là. Donc j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air. Et là, je coupe pas mal de fil parce qu'il va falloir que je couse donc, tout autour. Donc moi, je vais le mettre comme ça, juste pour que si on regarde, on voit les jolies mailles de l'autre côté. Et maintenant je vais coudre donc, ça va être tout simple, je vais suivre le contour de cette partie-là. Donc je vais récupérer, alors je vais commencer ici. Je vais récupérer un brin dans la partie bas marron, c'est la même couleur, donc pour moi c'est pratique. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est vrai que le marron euh, à filmer c'est pas forcément idéal. Voilà, ensuite je prends la maille d'à côté et puis une maille ici. Alors c'est peut-être pas exactement le même nombre de mailles, donc soyez vigilants pour que voilà que ça, tombe, que ça tombe bien. La suivante, je vais sauter une maille et je vais me raccrocher dans une maille là. Voilà, donc on essaye de répartir la couture tout autour. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait parce que, encore une fois, c'est une partie qui ne va pas se voir. Donc, surtout, ne vous prenez pas la tête et vous cousez bah, tout autour. Et comme ça, vous avez cette partie-là qui est protégée. Il n'y aura pas de possibilité que la ouate s'échappe. Donc, moi, je vais continuer de coudre, cousez aussi de votre côté. Et puis ensuite, on va faire le bas du ventre. Et voilà, j'ai terminé tout le tour. Je fais juste un dernier point là comme ça pour bien que tout soit bien euh, cousu. Et je fais un... Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Pour faire le dessous du corps, j'ai pris la couleur rose pâle, celle qui m'avait servi pour faire le centre ici. Donc on va faire la même chose que ce qu'on avait fait en fait pour l'intérieur. On va faire des augmentations en circulaire jusqu'à ce que le cercle recouvre complètement cette partie-là. J'avais compté les mailles que j'avais là et j'en avais 80. Donc il faut que je trouve euh, quand j'augmente un nombre à peu près euh, enfin le plus proche possible et on va faire un cercle magique, on le fixe avec une maille en l'air. Alors là, pour info, j'ai pris la couleur que j'avais prise au début. Donc c'est un rose très pâle. Alors dans ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Donc là, j'ai fait mes 6 mailles serrées. Le rang suivant, je vais faire une augmentation dans chacune des mailles. Et à la fin du rang, j'aurai 12 mailles serrées. Le rang numéro 3... On va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on le répète tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on continue les augmentations. Et on va faire deux mailles serrées, une augmentation. Donc on continue deux mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Le rang suivant, le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. Et à la fin, on aura 30 mailles serrées. Et pour les autres rangs, je vais vous les écrire, parce que je ne vais pas forcément les dicter chacun, sinon ça fera une vidéo un petit peu trop longue. Donc je vais vous écrire ce que j'ai fait moi, et après vous adapter à votre cercle. Voilà, donc on se retrouve quand j'ai terminé toutes les augmentations. Donc je vous disais bien, le but c'est de faire une augmentation à chaque rang et de continuer. Donc là, on, a, on fait 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Le rang suivant, on fera quatre mailles serrées, une augmentation tout le tour. Le rang d'après, cinq mailles serrées, une augmentation, etc. 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 jusqu'à avoir la taille que l'on souhaite. Moi, je vais m'arrêter 11 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 78 mailles serrées. Voilà, mais je vais tout vous écrire, ne vous inquiétez pas, comme ça vous pouvez suivre. Allez, on se retrouve quand on a terminé. Et voilà, donc là j'ai fait mes 11 mailles serrées, une augmentation, et donc je suis à 78 mailles serrées en tout. Donc on voit bien que le cercle est plus petit que l'autre, mais c'est normal parce que, souvenez-vous, ici j'avais rajouté trois rangs supplémentaires. Donc ici ben, on va faire la même chose, on va rajouter trois rangs supplémentaires. Donc tout simplement vous travaillez, vous arrêtez les augmentations et vous travaillez une maille serrée sur chaque maille. Donc là moi j'en avais 78 en tout, donc je vais avoir toujours 78 mailles serrées à travailler. Je vais travailler comme ça jusqu'à avoir le même diamètre que ce cercle-là. Donc je pense qu'à mon avis, avec trois rangs, ce sera largement suffisant. Voilà, j'ai fait trois rangs supplémentaires. Ma dernière augmentation, mon dernier rang d'augmentation est là, et j'ai fait 1, 2, 3 rangs supplémentaires avec donc 78 mailles serrées. Là, quand je les pose l'un contre l'autre, c'est la même taille. Vous pouvez rajouter un rang si vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Mais moi je ne veux pas trop en rajouter parce que je ne veux pas trop que le ventre soit bombé Voilà, par rapport à la carapace qui normalement est censée être un peu plus bombée. Maintenant l'objectif, vous l'aurez compris. C'est de coudre ces deux parties ensemble. Donc, on va piquer avec notre crochet dans le brin arrière ici. Donc vous avez le brin avant qui est là et le brin arrière, donc vous piquez piquer dans ce brin. Vous récupérez la deuxième partie et vous allez piquer dans le brin qui arrive juste en face. Donc là pareil, vous avez deux brins, vous prenez un seul brin et celui qui est face à vous. Vous faites passer le fil à travers ces deux brins. Et vous faites une maille coulée. On continue. On pique sous le brin arrière de la deuxième maille et sous le brin en face. On fait passer notre fil et on fait une maille coulée. On fait encore la même chose et une maille coulée. Je passe sous le brin arrière, sous le brin d'en face et une maille coulée. Et là, vous avez vu, en fait, vous avez une petite lisière qui se forme. Donc, je continue tout le tour et je fais attention parce que, vous vous souvenez, pour cette partie-là, j'avais 80 mailles, la partie rose foncée. Et là, j'ai 78 mailles, donc je n'ai pas exactement le même euh, nombre de mailles. Donc, il y a un moment où je vais devoir sauter une des mailles roses ici. Donc je vais piquer sous cette maille-là. Et là je vais sauter la maille en face et je vais piquer dans celle d'après. Et je fais ma maille coulée. Ensuite je continue en maille coulée. Donc je vais travailler jusqu'à l'autre moitié à peu près. Et je vais refaire la même chose. Donc sauter une maille et piquer dans celle d'après. J'arrive à peu près à l'autre moitié, peu importe là où vous êtes exactement, et je vais faire la même chose. Donc je, je récupère le brin arrière ici, je saute la maille juste après là en face, et je vais dans la maille suivante. Et voilà. Et là je peux continuer, quasiment, donc presque jusqu'à la fin parce qu'attention, il faut bien penser qu'on doit rembourrer cette partie. On continue d'assembler les deux parties ensemble. Voilà, là j'arrive ici, il me reste Juste ça, comme trou. Donc c'est suffisant pour pouvoir commencer à rembourrer. Donc toujours le même procédé. On prend le brin arrière et le brin avant de l'autre côté. Le brin arrière et le brin juste en face. Plein et on termine donc de tout rassembler. Voilà. Et là on arrive au même niveau. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va couper le fil ici. On va tirer. Voilà. On va prendre notre aiguille à laine. Et là, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait presque pas de démarcation visible. Alors, ce sera forcément un peu visible, mais bon. On va essayer de faire en sorte que ce soit le moins possible. Donc, on va piquer au milieu de la maille suivante. Donc, vous voyez, il y a une sorte de tresse là qui s'est formée. Ici, on pique au milieu de cette tresse ici. Et on va ressortir un peu en dessous. Hop là. Donc là, je tire bien, c'est juste pour les rassembler et je réajuste. Voilà. donc on voit quand même que c'est ici qu'on a terminé, mais c'est quand même assez discret. Voilà, donc je réajuste, et ensuite sur le bas, là ici, je vais prendre un petit brin, je fais un nœud, je serre bien, il faut surtout pas que ça se défasse, et je pique à côté et je cache mon fil. Et là, si je tire bien, le nœud va rentrer. Et je remets un peu en place, sinon ça va créer un trou. Et voilà, c'est quasiment invisible. On va commencer la tête, donc on va faire un cercle magique et on vient le fixer avec une maille en l'air. On commence le premier rang, où on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Ensuite, on resserre le cercle Et on commence le deuxième rang. On va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc deux mailles serrées dans chaque maille et on n'oublie pas de marquer la première des deux. On fait deux mailles serrées dans chaque maille, une augmentation à chaque sur chaque maille, tout le tour et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3. On va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et ça on le répète tout le tout le tour, une maille serrée, une augmentation et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on fait une maille serrée et on vient la marquer. Ensuite, on fait une augmentation dans la maille suivante. Et on répète par la suite deux mailles serrées, une augmentation deux mailles serrées une deux une augmentation deux mailles serrées une augmentation deux mailles serrées une augmentation deux mailles serrées une augmentation et il nous reste à la fin une maille et on fait une maille serrée et là on a 24 mailles serrées le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on commence en faisant 2 mailles serrées. On marque la première et on en fait donc une deuxième. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées. 3, 4 et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça. Vous répétez 4 mailles serrées, une augmentation, et à la fin vous terminez avec deux mailles serrées. Et vous aurez 36 mailles serrées. Comme je vous le disais, à la fin du rang, il me reste, après ma dernière augmentation, il me reste 2 mailles serrées. Et je fais ces deux mailles serrées. Elles viennent compléter les deux mailles serrées qu'on avait fait au départ, quand on a commencé ce rang. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. 5 mailles serrées et une augmentation. Et on n'oublie pas de marquer la première des 5. Et on répète ça tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 42 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 8 au rang numéro 12 inclus, vous allez faire les 42 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Alors finalement, je suis allée jusqu'au rang numéro 13. Donc j'ai fait le rang numéro 7 avec 5 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite j'ai fait le rang 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai travaillé tout droit pendant 6 rangs. Maintenant, on va commencer les diminutions. Le rang numéro 14, on va faire 5 mailles serrées et une diminution. Donc 5 mailles serrées, 4. 5 et ensuite on fait une diminution. Donc on prend le brin avant de la maille suivante, on ramène le crochet vers le devant, on prend le brin avant de la maille d'après, on fait passer notre fil sous ces deux brins et on fait notre maille serrée. Et on répète donc 5 mailles serrées, une diminution tout le tour et à la fin du rang on aura 36 mailles serrées. Le rang numéro 15, on va faire les 36 mailles serrées que l'on vient d'obtenir. Donc on fait une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent. Le rang numéro 16, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire deux mailles serrées, une et deux. Donc je marque la première des deux, puis je fais une diminution. Et ensuite, je vais répéter tout le tour, 4 mailles serrées et une diminution. Donc ça, je le répète tout le tour, 4 mailles serrées, une diminution et je termine le rang avec deux mailles serrées. Donc comme je vous le disais, après la dernière augmentation, je termine le rang avec deux mailles serrées. Et elles viennent compléter les deux mailles serrées de départ. Le rang numéro 17, on va faire... 3 mailles serrées et une diminution dans la maille, les mailles suivantes. Et on le répète tout le tour 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. J'ai terminé mon rang. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment. Donc là, on va rembourrer légèrement la tête juste pour lui donner sa forme et pour déterminer l'endroit où on va placer les yeux. Voilà, j'ai sorti les yeux de sécurité donc de 10 mm. Et je vais venir les placer sur ma tête. Donc j'ai mis un petit peu de watt, comme je vous disais, comme ça ça me donne vraiment la forme de la tête. J'en ai pas mis trop, parce que sinon après c'est compliqué de placer les yeux. Et maintenant on va déterminer l'endroit où on va placer nos yeux. Donc je vais placer le premier ici. Je vais vous dire à quel rang. J'ai compté à partir du début 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et en dessous du rang 10 donc entre le rang 10 et le rang 11, j'ai placé mon premier œil. Donc je le mets un peu comme ça et puis avec le deuxième œil, je suis la même ligne et je vais le placer de l'autre côté. Je veux qu'il soit un peu éloigné ces yeux pour pouvoir les rapprocher comme ça et que ça fasse une forme assez jolie. Donc je vais commencer déjà par le placer, le deuxième œil, ici. Donc toujours entre le rang 10 et le rang 11. On fait bien attention à ce que nos yeux soient bien sur la même ligne. Voilà. Donc on écarte un peu de chaque côté et puis on vérifie que ça arrive bien au même endroit. Voilà. Donc quand j'ai mes deux yeux qui sont bien placés, j'ai environ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va dire 10 ouais, mailles entre chaque œil. Voilà. Donc ils sont un peu éloignés, mais on va venir les rapprocher. Comme ceci. Maintenant, je vais enlever la ouate et je vais fixer mes yeux par l'intérieur. Puis je remets la ouate à l'intérieur et je vais venir la compléter, parce que je n'en avais pas mis beaucoup, et je viens la compléter. On va faire un dernier rang de diminution et ensuite on va former le cou de notre tortue. Le rang 18, on va continuer nos diminutions et on commence avec une maille serrée. On vient marquer cette maille et ensuite on fait une diminution. Dans la maille suivante, puis on va faire deux mailles serrées, une diminution tout le tour, donc une diminution, deux mailles serrées, une diminution tout le tour, et on termine notre rang avec une maille serrée. On a terminé les diminutions, donc je vais juste remettre un petit peu de watts, parce qu'après on va faire la partie du cou. Donc on va travailler tout droit en mailles serrées et on ne pourra plus venir rembourrer cette partie-là. Donc il faut bien la rembourrer, voilà, que, que ce soit bien rond. Donc lorsque c'est bien rembourré, on va commencer le rang 19. On va travailler nos 18 mailles serrées. On ne fait plus de diminution. On travaille chaque maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Donc on fait nos 18 mailles serrées et on va travailler ces 18 mailles serrées jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. Alors je vais vous montrer ce que je vous propose. C'est de placer la tête de placer la tête un peu comme ça et d'avoir un cou qui sera tout, tout plat et qui va venir se coudre ici, donc dans cette partie-là de la carapace. Donc on va travailler tout droit en mailles serrées, en rond, on va travailler les 18 mailles serrées, et on va. Et lorsqu'on a la hauteur souhaitée, eh bien on s'arrête. Donc je vais vous dire combien de rangs j'ai fait en tout, et puis on se retrouve. Voilà, j'ai terminé la partie du cou et je suis allée en tout jusqu'au rang 27. Donc j'ai fait 9 rangs à partir du rang de mes dernières diminutions. Donc il est là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs tout droit. Quand je le place sur ma tortue et que je le mets vraiment à la limite de, du rose foncé puisque c'est la même couleur, donc je le mets vraiment ici, pour moi ça suffit, la tête elle remonte assez haut. Donc après à vous de voir le, ce que vous souhaitez comme rendu. Et pour moi, 9 rangs c'est suffisant. Donc si c'est trop court pour vous, ben vous en faites plus. Si c'est trop long, vous en faites moins. Enfin voilà, je vous montre le résultat que je souhaite obtenir. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec votre tortue. On va terminer le dernier rang en faisant en faisant une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air, et puis là on va couper pas mal de fil parce que c'est ce qui va nous permettre de coudre la, le cou et la tête à la carapace. Donc j'ai coupé pas mal de fils, je préfère en avoir plus que pas assez, et tout d'abord on va commencer par faire l'expression du regard avant le reste. Donc on va couper un bon morceau de fil de la même couleur que la tête. Donc pour moi ici c'est le rose. Je récupère mon aiguille à laine et venir rapprocher ces deux yeux. Donc, je ne fais pas de nœud sur mon fil. Je pique directement dans la partie intérieure de l'œil, ici, juste au-dessus et vers l'intérieur. Je pique ici et je ressors de l'autre côté au niveau du même rang et le plus près possible de l'œil. Je tire, je laisse du fil de ce côté, puis quand je suis sur le deuxième œil, je vais piquer un, deux rangs en dessous et en bas de l'œil, toujours dans la partie intérieure. Donc je pique là et je ressors sur le même rang au niveau du deuxième œil, ici. Je tire. Donc là, il y a un fil qui se place ici, mais il, va, il ne se verra plus par la suite. Ensuite, je vais repiquer là où je l'avais piqué au départ, ici. Et je ressors de l'autre côté au même endroit, au même niveau. Maintenant, je vais récupérer les deux brins que j'ai de chaque côté et je vais tirer. Voilà. Donc moi, je veux que ce soit quand même pas mal rapproché. Donc je tire. Ensuite, avec ce film qui est là, je vais passer sous l'œil et je vais arriver en bas de l'œil, ici. Donc je pique en bas de l'œil et je ressors derrière. Comme ceci. Je récupère le deuxième fil, celui que j'avais laissé en attente au départ. Je le mets dans une aiguille, une aiguille et pareil, je soulève un peu mon œil, je passe mon fil. Je le fais tourner et je le fais arriver en bas. Et quand je suis en bas, je pique et je ressors là où j'avais sorti le, pre, le fil tout à l'heure. Il faut que je le ressorte exactement. Au même endroit dans le même trou voilà ensuite donc je mets ma peluche face à moi et je prends les deux fils que j'ai sortis et là je peux ajuster en tirant un peu sur un des fils sur l'autre je peux ajuster la tension de mes yeux voilà et lorsque c'est bon je fais un nœud avec ces deux fils donc un premier nœud, je ne serre pas trop, un deuxième nœud, je ne serre pas trop non plus, et un troisième nœud où là je peux serrer un peu plus, voilà. Je repasse mon fil dans l'aiguille, et là je vais repiquer, et toujours dans le même trou, et ressortir plus loin. Et regardez, en fait, le, le trou, le, la, le nœud, pardon, va rentrer automatiquement dans la tête, donc on ne le verra plus. Je rentre également ce fil-là par le même trou, et je coupe les fils qui dépassent. Ensuite, je récupère la couleur blanc pour faire le contour de l'œil. Donc, je coupe un bon morceau de fil, et je le passe dans mon aiguille à laine. Puis, je vais piquer sur l'arrière, et je ressors en bas de l'œil, dans la partie. En bas, ici, dans la partie un peu intérieure de l'œil, je ressors mon fil et j'en laisse un peu ici pour faire un nœud par la suite. Je laisse à peu près ça. Puis je vais piquer sur le dessus de l'œil avec mon aiguille. Et je ressors au niveau du même rang au-dessus du deuxième œil. Je tire et avec mon doigt, j'aide mon fil à se placer correctement autour de l'œil. Comme ceci. De l'autre côté, je suis sortie là et je vais repiquer en bas de l'œil vers l'intérieur, voilà, et je ressors derrière. Peu importe parce que on ne va pas encore faire de nœud. On va d'abord vérifier que tout ça se soit bien placé. Donc j'ai mis mon fil autour de l'œil. Je tire un peu, mais pas trop pour pas que le fil passe sous l'œil. Voilà ce que ça donne. Là, je suis ressortie ici, donc je vais repiquer dans le même trou et je vais venir me placer tout au bord de l'œil, le plus près possible. Je ressors le fil et je vais venir envelopper la partie blanche ici et repiquer au même endroit en ressortant un peu plus loin. Je tire doucement. Donc là j'ai bloqué mon fil, donc comme ça il ne peut plus bouger. Là je ressors le fil à côté du deuxième œil, le plus près possible de l'œil. Donc si là je arrive pas du premier coup, donc je fais plusieurs manipulations, donc je ressors juste à côté de l'œil, voilà. Et je vais envelopper la partie blanche comme de l'autre côté. Je fais exactement la même chose. Je pique et je ressors là où j'avais rentré mon fil au départ. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc ensuite on fait quand on a fini ça, on fait un nœud avec ces deux fils et on va faire la partie marron. J'ai coupé un bon morceau de fil marron, c'est le même marron qui m'a servi à faire la partie contrastante sur ma carapace je pique toujours sur l'arrière et je vais ressortir sur le côté et je ressors sur le côté de l'œil ici au milieu je laisse toujours du fil sur l'arrière pour faire un nœud par la suite et ensuite je pique sur l'intérieur de l'œil dans la partie supérieure et je ressors au même endroit de l'autre côté. Je tire mon fil et il va venir se placer au-dessus de la partie blanche. Pareil de l'autre côté. Je vais piquer juste à côté de l'endroit où vous vous souvenez on avait sorti le fil pour faire tenir la partie blanche. Eh bien je pique juste à côté. Je ressors, je ressors là où j'étais rentrée à l'origine. Juste à côté de l'autre. Et je tire en douceur. Et j'aide mon fil à bien se positionner. Voilà. Donc là, j'ai un peu de watt qui s'est échappé. Et voilà, on a fait le dessus de nos yeux. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits cils. Moi, je vais le laisser comme ça parce que je trouve ça plus doux. Mais vous pouvez faire des petits cils si vous le souhaitez sur les côtés. Donc ensuite, avec ces deux nœuds, je fais toujours le même procédé, c'est-à-dire deux ou trois nœuds pour que ça tienne bien et je cache mon fil dans l'ouvrage. Donc je place bien mon cou correctement. Il faut que mes yeux soient bien centrés. Je fais un, juste un petit point de couture ici. Je vais rassembler ces deux parties là. Comme ça, je suis sûre que ce, ce sera bien fixé. Et ça va me permettre aussi d'arriver sur une des extrémités. Donc je fais un peu de couture toute simple, hein. voilà, et je me mets bien sur le bord. Et ensuite, je viens prendre ma carapace. Donc après, je peux le placer un peu là où je veux. Peut-être que je peux chercher, voilà, un endroit où il y avait la, la jonction. Et comme ça, au moins, ce sera caché par la couture. Je place ma tête bien le long de la ligne. Donc là, c'est assez facile parce que du coup, on va coudre sur la partie euh, où on avait fait les mailles coulées quand on avait rassemblé ces deux parties-là. Donc je vais récupérer deux brins et je, couds, bah, du coup, et je couds les deux parties ensemble. Donc je prends deux brins. Et je prends une partie du cou. Je continue, je prends deux brins et une partie du cou. Je tire bien. Je prends deux brins, une partie du cou. J'ai cousu toute cette partie-là, mais évidemment, hop, ça tombe. Donc il va falloir qu'on couse sur les côtés également, de part et d'autre, pour que la tête reste bien droite, bien comme ça. Alors je vais commencer par ce côté-là, puisque c'est là que mon fil est arrivé. Donc je prends une maille de la carapace et une maille du cou. Une maille de la carapace, une maille du cou. Donc je suis montée jusqu'en haut de ma partie rose ici. Et là il faut que je cousse l'autre côté. Donc pour que ce soit au plus simple, je vais piquer ici et ressortir carrément de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais coudre ces deux parties ensemble. Donc je tourne. Et là, j'arrive en bas, je vais juste raccrocher ces deux parties ensemble parce que ça fait une sorte de de décalage. Donc je raccroche ces deux parties ensemble Hop. donc j'ai coupé beaucoup trop de fil mais bon je préfère en avoir trop que pas assez alors je vais repartir un sur l'arrière de ma tête ah oui et maintenant on va coudre cette partie là donc je suis remontée de là je suis remontée ici et je vais coudre cette partie ici pour éviter le trou qu'on a ici voilà donc je prends des mailles de la carapace, une maille de la tête. Et voilà, j'ai fini, je fais juste mon dernier point ici. Voilà. Hop. Je rapproche bien tout ça et maintenant je vais faire un nœud un peu discret donc je vais repartir un peu sur l'arrière comme ceci et je fais mon nœud ici comme ça ça ne se verra pas puis je cache mon fil dans l'ouvrage voilà donc là maintenant notre tête est cousue, on peut passer aux pattes. On va à présent faire les pattes. Donc on va commencer par un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Ensuite dans ce cercle on fait six mailles serrées. On resserre le cercle et ensuite on va faire une augmentation dans chacune des mailles serrées. Donc, deux mailles serrées dans chaque maille et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour, une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire deux mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante et on répète tout le tour deux mailles serrées et une augmentation et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Ensuite, les rangs 5 et 6, on va faire les 24 mailles serrées. Donc on ne fait plus d'augmentation, on fait une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent et on fait ça pendant deux rangs. Donc le rang 5 et le rang 6. Le rang numéro 7, on va faire 2 mailles serrées et une diminution, et on répète ça tout le tour, deux mailles serrées, une diminution, à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 8, on va commencer notre rang avec 6 diminutions d'affilée. Donc une première diminution, je la marque, une deuxième diminution, une troisième, et une sixième diminution et on termine le rang en faisant les six mailles serrées qu'il nous reste et 6 j'enlève le marqueur et ensuite je vais travailler en mailles serrées normales. donc là j'ai obtenu 12 mailles serrées au total donc je vais travailler ces 12 mailles serrées pendant huit rangs donc, je fais déjà le premier rang de mailles serrées. J'ai fini ce premier rang de mailles serrées. Et je viens rembourrer le bout, ici, de la pâte. Donc, je vais mettre un peu de watts à cet endroit pour lui donner sa forme. Le reste de la pâte ne sera pas rembourré. Voilà. Donc, on rembourre vraiment que cette partie-là. Et ensuite, on va travailler tout droit. Donc, je vous disais, pendant 8 rangs... Vous allez faire les 12 mailles serrées que vous avez obtenues. Donc là, on en a déjà fait un. Il faut en faire 7 autres. Donc j'ai travaillé tout droit jusqu'au rang numéro 15. Donc en tout, à partir du rang où j'avais fait mes diminutions, j'ai fait 8 autres rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je me suis arrêtée au rang numéro 15. Et toute cette partie-là, ce sont les 12 mailles serrées que j'ai travaillées tout droit. On a évidemment rembourré cette partie-là et on a travaillé tout droit ici pour former un tube. Ensuite, quand on a terminé ce rang-là, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et on vient couper suffisamment de fil pour coudre la patte sur le corps, et on tire, Hop, on tire bien, et ça nous fait un nœud. Donc en tout, vous allez faire quatre pattes identiques. Donc là, on en a fait une première, vous en faites trois autres. Et on va venir ensuite les coudre sur le corps. J'ai terminé mes quatre pattes et je les ai placées avec des épingles. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je vais vous montrer par exemple cette patte ici. Donc, vous avez votre patte qui est terminée que vous avez comme ça. Donc, elle a partie avec les six diminutions qui est face à vous. Vous allez le plier en deux. Donc, la partie avec les six diminutions, vous la mettez comme ça sur le côté et vous pliez en deux, comme ceci. Vous prenez votre tortue et nous, ce qu'on veut, c'est faire la forme des pattes des tortues, c'est-à-dire qu'ils partent un peu sur l'extérieur. Donc, là, vous voyez la pliure formée par les six diminutions, on va la mettre dans l'autre sens, on va la faire partir dans ce sens-là. Donc, là, on est, la tête est ici et là, on est sur la droite. Donc, on la met comme ça, on veut que ça parte sur ce côté. Avec l'autre patte, vous allez faire la même chose, vous allez la plier, mais vous allez mettre la pliure non. Mais vous allez mettre la courbure, celle-ci là, de l'autre côté. Donc elle doit partir sur la gauche alors que là, elle part sur la droite. Je vais placer des épingles. Je le mets vraiment collé à la tête. Donc là, on a cousu la tête et je place ma patte collée à la tête. Donc je vais placer une première épingle ici, je la mets un petit peu en dessous de la carapace. Et la deuxième partie de la patte, je la remonte un peu pour arriver au niveau de la bordure de la carapace, là, ici. Donc je mets ma deuxième épingle ici. Comme ça, ma patte part un peu en biais et elle va faire ce mouvement-là de partir sur le côté. On, on va coudre aussi un petit peu. En redescendant vers le bas, donc je mets une épingle là et une épingle de l'autre côté. Donc ma patte part naturellement sur le côté et de l'autre côté, je fais la même chose, mais en symétrique ou en miroir. Je plie en deux ma patte. Donc je vais vous montrer. Je vais enlever mes épingles. Quand je mets ma patte face à moi avec les six diminutions d'affilée, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je plie ma patte en deux, comme ceci, pour que ce soit bien au milieu des six diminutions. Et ensuite, je vais la tourner vers la gauche. Je suis sur la partie à gauche de la tête, donc je veux que ma patte parte vers la gauche. Donc je la place comme ça, le, juste à côté du cou. Et je la fais descendre un tout petit peu pour la mettre en biais. Donc je place ma première épingle ici. Et ma deuxième épingle, je vais la placer juste au niveau de la bordure de la carapace. Donc cette partie-là. Et je place ma deuxième épingle ici. Je peux faire comme de l'autre côté, placer une épingle sur un côté et une deuxième épingle de l'autre côté. J'ai placé mon fil dans une aiguille et je viens coudre. Donc je prends une partie du corps. Et une partie de la patte, une partie du corps ou de la, du début de la carapace, là. Une partie de la patte, une partie de la carapace. J'enlève mon épingle et je continue. Je fais ma dernière maille ici, là, ma dernière couture de ce côté. Et là, je vais redescendre vers là. Donc je plaque bien cette partie-là. Je retourne et je viens coudre ici. Jusque point. On coupe pas jusqu'en bas, on coupe que quelques points. J'enlève mon épingle et je prends un petit brin de la pâte. Voilà. Donc là, j'ai cousu jusqu'ici et je vais passer de l'autre côté. Donc je pique avec mon aiguille, je traverse et je sors de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais tourner et coudre cette partie là j'arrive en haut et là comme j'avais pas pu coudre parce que mon fil n'était pas au bon endroit je vais coudre aussi cette partie là donc je fais je veille toujours à ce que ma pâte soit quand même un peu en biais je fais mon dernier point ici. Comme ceci. Voilà, comme ça, ma patte, elle part un peu sur le côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer et on ramène le fil en dessous. Je réajuste. Je soulève ma patte. Je le ramène, ce fil, au bord. Parce que du coup, je vais coudre aussi cette partie-là. Pour pas que ça fasse un trou en dessous là donc je prends une petite partie de la pâte une partie du corps une partie de la pâte voilà et maintenant, une fois que j'arrive là, je fais en sorte de me retrouver dans une partie avec du rose foncé. Et je prends un petit brin. Voilà, je vais faire un nœud. Puis je pique et je vais cacher mon fil dans l'ouvrage. Je tire bien, je réajuste et je coupe. Voilà, donc j'ai une première patte qui est cousue. Bon là ça s'est enlevé du coup, donc il va falloir que je remette tout ça en place. Voilà, ça c'est un peu le côté compliqué quand on installe tout dès le début, ça a des risques de s'échapper. Donc je vais coudre la deuxième patte de la même façon et je vais vous montrer après comment on coud les pattes arrière. Je vous montre sur l'arrière, comme là on est sur la partie à droite de la tête, la patte part vers la droite, donc la patte arrière aussi. Donc je la plie de la même façon et je fais partir ma, droite, ma patte vers la droite. J'ai placé des épingles tout, au, tout le long là de la carapace sur cette partie-là de la carapace. Et donc je récupère une petite partie de la carapace, je tourne parce que là mon fil n'est pas complètement sur le bord, donc il faut que je fasse en sorte d'arriver sur le bord. Je récupère un bout de la pâte, un bout de la, de la carapace, un bout de la pâte, un bout de la carapace, etc. Donc là, c'est tout simple, hein, vous suivez les mailles. Ensuite, on va redescendre un tout petit peu. C'est juste pour les plaquer. Pour plaquer la patte. Mais on ne fait pas trop de points. Un peu moins en tout cas que sur les pattes de devant. Parce qu'on veut qu'elles se plient un peu plus. Donc je fais juste un point. Et un deuxième point. Et ça va suffire. Voilà. Comme ceci. Donc là, je peux enlever mon épingle. J'ai oublié de faire ce point-là. Hop. Puis avec mon aiguille, je pique au même endroit et je ressors de l'autre côté. Et là, je vais coudre cette partie-là. Je fais mon dernier point ici en prenant un brin ici de la patte. Et puis comme pour les pattes de devant, je pique et je vais sur le dessous. Et là, je vais venir juste rapprocher ces deux parties-là. C'est pour éviter qu'il y ait un trou. Et arrivé au bout, je vais prendre un brin et je fais un nœud. Puis je cache mon fil. Je tire, je réajuste. Et je coupe. Alors là, je vais juste vous montrer comment placer du coup la deuxième patte arrière. Donc là, on a nos pattes qui sont placées. Là, je vais compter le nombre de brins que j'ai ici entre les deux pattes. Donc la partie rose foncée là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14. Donc je tourne et de l'autre côté, je vais compter aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je vais faire partir ma deuxième patte arrière à partir de la 15e maille. Et vous vous souvenez, il faut qu'elle prenne la même forme que la patte de devant. Donc je vais la placer ici avec mes épingles et je n'oublie pas de placer deux autres épingles comme ça je n'oublie pas de coudre aussi sur le, le dessous et je vérifie d'abord que ce soit bien symétrique, voilà, et quand c'est bon, et bien je couds de la même façon que l'autre patte arrière. Pour faire la queue, on va faire un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. On referme le cercle. Et le rang numéro 2, on va faire les 6 mailles serrées que l'on vient juste d'obtenir. Donc je fais déjà une première maille serrée et je viens la marquer. Et je fais mes cinq autres mailles serrées. Donc j'ai toujours six mailles serrées. Le rang numéro 3, je vais faire une maille serrée dans la première maille et je viens la marquer. Puis je fais une augmentation dans la maille suivante. Et je répète une maille serrée et une augmentation dans la maille d'après. Une maille serrée et une augmentation dans la maille d'après. À la fin du rang, j'ai 9 mailles serrées. Le rang suivant, vous allez travailler ces 9 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 5, on va faire deux mailles serrées, une deux et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour, deux mailles serrées, une augmentation et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 6, c'est simple, vous faites les 12 mailles serrées. En numéro 7, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça encore deux fois, trois mailles serrées, une augmentation et on aura 15 mailles serrées. Ensuite, on va travailler nos 15 mailles serrées qu'on vient juste d'obtenir et on va faire trois rangs supplémentaires. Du rang numéro 8 au rang numéro 10 inclus, vous allez faire les 15 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 10 et maintenant je vais unir à la maille suivante par une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe en gardant un peu de longueur pour coudre la queue. Et je tire. Je vais rembourrer légèrement la queue. Alors il n'y a pas besoin de mettre trop de rembourrage mais on rembourre un petit peu pour qu'elle garde sa forme bien droite et ensuite je viens la placer entre mes deux pattes arrière. Donc il faut bien viser le milieu. Donc je la fais commencer au niveau de la carapace ici. Donc, je vais placer des épingles. Une en bas et une en haut. Et je vérifie bien qu'elle soit bien centrée par rapport aux deux pattes. Donc vous pouvez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour moi, c'est bon. Je vais juste rajouter un peu une épingle d'un côté et de l'autre, et puis ensuite je vais coudre et coudre ces deux parties là ensemble en prenant simplement en suivant simplement le contour de la queue. Donc là, il n'y a pas de, de piège, c'est juste de rassembler les mailles au fur et à mesure tout en vérifiant quand même régulièrement. Que la queue soit toujours bien centrée par rapport aux pattes arrière. Ça, c'est vraiment le plus important. Il faut que la queue soit bien centrée. Donc, vous cousez tout le tour. Et puis, on se retrouve quand on a terminé. Notre petite tortue est maintenant terminée. Je vous montre la petite queue que je viens de coudre. Les pattes arrière qui vont se mettre un petit peu comme ceci, et les pattes avant qui se redressent comme cela. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que vous aurez plaisir à réaliser cette petite tortue. Voilà, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder mes autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, eh bien moi je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.